Bonjour. Bonjour. La reine Marie, la reine Ira, la reine Judith. Je veux que vous sortiez de votre rêve. Donc je prie que les paroles que je vais prononcer aujourd'hui vous touchent. Ça vous secoue. Vous soyez poussé à changer. Vous êtes bloqué là où vous êtes à cause des croyances qu'on vous a passées. Vous êtes bloqué parce que c'est confortable. Et vos plaintes vous plaisent. Ouais, tu ne comprends pas ma situation, c'est mon ex-mari. Mon ex-mari m'a fait ça. Et vous aimez la pitié. Personne n'a rien accompli dans ce monde avec la pitié. C'est pour ça que les gens qui partent, vous prenez l'argent du gouvernement, là, le CPAS, la CAF, les bénéfices. Vous ne pouvez jamais atteindre un certain niveau parce que il y a toujours quelqu'un. Que s'il fait comme ça là, tu vas te ranger. Il fait Une dame l'autre jour me dit qu'elle veut le lavage parce que elle a contrôle judiciaire. Vous voyez quand la CAF passe, non, pour contrôler tes relevés bancaires, pour voir si ce que tu as déclaré, c'est effectivement ce que si on t'a pas trop payé. Et si on a trop payé, tu commences maintenant à le devoir de l'argent. La peur bleue que la dame là avait. Je suis restée comme ça, j'ai dit waouh. On t'a conditionné si bien que tu penses que tout l'argent que tu peux avoir dans ta vie, si tu construis l'immeuble, tu ne peux construire l'immeuble que sur la tête de la CAF. Les gens ont fait le lavage, ils sont passés, ils étaient éblouis, ils n'ont rien vu. Bonjour, préférence montée. Bonjour, la reine Fatou. Waouh, tu t'es réconcilié avec ta mère, c'était comment? Et vous savez, vous serez toujours appelé à vous réinventer. Vous serez appelé à vous refaire. Vous serez appelé à vous refaire. Si vous voulez, beaucoup d'entre vous, vous avez les rêves que vous allez mourir avec vos rêves. Là, vous n'aurez jamais accompli ça. Ne serait-ce qu'à l'idée de penser à ça. Quand il pense à ça, ça fait que moi, il dit que non. Il ne peut pas dormir. I cannot sleep. Je ne peux pas dormir. Comment est-ce que je peux dormir et je sais que si je meurs dans 2 ans, si je meurs dans 3 mois, j'aurais pu me lever, je pars aux États-Unis, je casse la baraque, je pars à Hollywood. Tu aurais pu faire n'importe quoi, non? Mais tu te laisses limiter. Pas tes propres blocages. Tu te laisses limiter par les on-dits de ta famille.
Bonjour, bonjour à tous les rois et reines. Bonjour la reine Marie. Vous devez arriver à un niveau où vous pesez. Pour peser le jour de vos obsèques. Pesez ce qu'on va dire de vous quand vous allez mourir. Parce que vous avez le pouvoir de changer cette chose maintenant. Quand elle pense qu'elle peut rester, je saute du 20e étage, je tombe, je meurs. On dit, elle s'est suicidée, elle a sauté, elle est tombée, elle est morte. Ou bien je peux aller écrire un livre qui va changer le monde. En fait, vous croyez que vous n'avez pas le pouvoir. Hein? Vous pensez que vous êtes limité. Je viens vous dire que non. Beaucoup d'entre vous, je vais vous lancer des idées. Beaucoup d'entre vous, vous avez souvent pensé à faire la thérapie. N'est-ce pas? Beaucoup d'entre vous, vous avez besoin de thérapie. Beaucoup d'entre vous avez besoin même de prendre un coach. Tu prends, il y a le coach d'amour, coach de finance, coach de ceci. Les choses ne viennent pas seules. Parce que si tu t'observes, il y a les choses en toi. C'est comme s'il y a deux forces en toi, une positive, une négative. Souvent, tu arranges quelque chose, après, tu pas gâter encore. Souvent, tu aimes ton père, après, tu le détestes. Tu aimes ta mère, après, tu dis qu'elle est décepticon. Ça, c'est la particularité des choisis. Les choisis ont une sorte de dualité en eux. Le choisi a une dualité en lui là que... Parfois, il est radical. Comme moi, il y a un moment, je suis sérieuse. Je suis sérieuse quand il te dit quelque chose comme ça là. Alex, je ne peux pas t'aider. Tu as compris? Prends l'eau. Tu prends le sel. Tu mets le sel dans l'eau. Ok? Tu dis que je bénis cette eau. Tu fais ça sur la terre. Tu dis que je demande à mes ancêtres, à mes anges, de m'inspirer. Dites-moi là où il y a ma clé. Parce que vous ne faites pas confiance en la force qui est en vous. Il n'aime pas les dépendances spirituelles. Richard, je vais te bloquer. Ceux qui sont ici là pour demander de l'aide, vous êtes à la mauvaise page. Tu es sur Facebook le matin à 8h, 6h30, tu cherches de l'aide. Va dans un cabinet spécialisé. Le truc, c'est qu'on n'est pas arrivé à un niveau où on est honnête avec nous-mêmes. Il y a certains trucs. Ce qui me plaît sur la société des Blancs, c'est que le Blanc va te dire... Tu n'es pas bien. Va en thérapie. C'est pour ça que vous allez voir un noir va se lever un jour, il va aller tuer. Il va tuer les gens. Ou va couper, va tuer sa femme, il va se tuer. Parce qu'il y avait des choses refoulées en toi. C'était là depuis longtemps. Tu refoules. Tu refoules. Et pour connaître que tu refoules les choses en toi, souvent tu es dans ça là, tu changes d'avis très rapidement. Tu veux faire un truc, tu es engagé, après tu changes d'avis, tu ne fais plus. Là, tu as des problèmes à l'intérieur de toi. You got issues. Et c'est ce qui t'empêche d'atteindre ce que tu veux. C'est ce qui t'empêche. Tu as la volonté, tu as déjà payé le programme. Tu regardes le programme, tu n'avances pas. Tu regardes, tu dis, je vais faire ça ce soir. Après le lendemain, tu peux manger. Ou tu peux chercher quelqu'un, tu peux faire l'amour, tu oublies. Il y a les thérapies, il y a le coaching, il y a le journaling. Donc vous prenez le cahier, vous pensez, écoutez, tu écris toi-même, tu prends tes notes toi-même. Tu te lèves le matin comme ça, tu pars au bord de l'eau. Tu fais la méditation. Tu réfléchis sur toi-même.
Et beaucoup de personnes, malheureusement, n'acceptent pas qu'ils ont besoin d'aide. La première étape, c'est de comprendre que je voulais devenir star. Je voulais devenir acteur. Je voulais avoir la plus grande entreprise. Je voulais. Ça fait 10 ans que j'essaie, ça ne marche pas. Il y a quelque chose ici qui ne marche pas. There's something here. C'est là que tu dois essayer les choses que tu avais bloqué ton esprit avant. Tout ce que bah, il y a beaucoup de choses que vous avez bloqué votre esprit à ça. Beaucoup. Merci Marie. Personne ne se moque de toi ici, Richard. Tu as compris? Personne ne se moque de toi ici. Et si tu penses qu'on se moque de toi, c'est ton paradigme à toi. Parce que toute interprétation que tu as de la vie, c'est en fonction de ce que toi-même tu as déjà dans ton cœur à toi. Richard, peut-être tu es nouveau sur ma page. Ici, on s'aide, chacun s'aide lui-même. Irène, ton mari doit avoir un problème de... S'il change d'avis, c'est jamais les problèmes d'enfance. Bonjour l'Algérien Benaïssa. Ça va? Je ne vais pas vous mentir, on a grandi avec les traumatismes. Tu as grandi avec ta grand-mère, elle te tapait tout le temps. Elle disait que c'était pour ton bien, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Que tu m'aimes, mais tu me tapes tout le temps. Ou bien tu étais dans. Tu as fait deux mariages. Tu es sorti là, tu as failli mourir. Tu as des cicatrices sur ton corps partout. Et quand on te tapait comme ça, là, tu pouvais seulement confirmer. Je reçois la bénédiction à Michel, la reine Michel. Monsieur Richard, mon numéro est sur ce direct. Tu passes sur ma page, tu as mon numéro partout. Donc quand il rencontre quelqu'un dans la rue, il me dit que donne-moi ton numéro. Et il me connaît sur ma page. Je lui dis que je ne te donne pas mon numéro. Sors de ce direct, tu regardes en haut là-bas. Tu vois, le numéro est partout. Voilà. Vous devez arriver à un niveau où bon, monsieur Richard, je me débarrasser de cet homme. Je ne suis pas le peuple qui vont distraire les gens. Il dit que tu te moquais de lui comment? Hop, je n'aime pas les choses comme ça. Hein. Je m'en parle. Si encore un de ces petits conquis ici là, il t'enlève. Je suis pas ici pour les vues. Partagez ma vidéo quand même, mais je suis pas ici là pour. Ça ne va pas, il t'enlève. Hop, c'est même quoi ça? Aidez-moi. Je reviens à ce que je disais. Si vous ne développez pas la capacité de comprendre que vous êtes peut-être grand aujourd'hui, mais dans votre passé, il y a les traumatismes. J'ai eu un ami là une fois, il a avoué qu'on l'avait violé quand il était petit. Et ça affectait aujourd'hui ses relations parce que c'est quelqu'un qui avait très peu confiance en lui dans les relations. Et il avait jamais dit à personne jusqu'à ce que en 2020, il rentrait dans un groupe de coaching que j'avais. Je vous ai parlé de la formation des coachs. Donc, si vous êtes intéressé, on va commencer. On a une première réunion aujourd'hui, mais on commence la formation la semaine prochaine, vendredi prochain. Donc ça, c'est pour les gens que vous voulez faire. Moi, je dirais lancez-vous totalement dedans, parce que l'affaire que tu dis que tu vas travailler à temps partiel pendant que tu vas faire l'autre aussi, non. Ça, c'est pour utiliser vos dons pour pouvoir faire du consulting ou encore faire du coaching même en lui-même et augmenter vos sources de revenus. Voilà. Donc, ça, c'était sur le côté. Un jour, on est en science, on est en thérapie.
Et là, il commence à dire, tu sais, quand j'étais petit, j'avais 8 ans, j'avais un oncle qui m'avait violée. Ça, c'est un gaillard de 35 ans aujourd'hui. Hein. Et c'est d'ailleurs une personnalité sur les réseaux sociaux. Mais ce sont les choses qu'on cache beaucoup. Et tu ne sais pas. Tu ne sais pas que quand tu caches ça, ça affecte tes relations. Ça affecte ta confiance en toi. La majorité des clients que j'ai eus, je viens et fais 3 jours de travail avec toi. Ça n'avance pas. Je viens, après je pars, je t'envoie des programmes, tu regardes. Ça n'avance pas. Première chose, abus sexuel dans l'enfance. Et beaucoup d'Africains, ce sont des choses. Malheureusement, les toits africains cachent beaucoup de choses. Parce que quand ça se passe, parfois la mère connaît, elle ne dit rien. Parfois, on t'envoie chez ta tante, son mari te fait ça. Et puis, tu n'en parles jamais à personne. Parfois même, tu as ton gars qui n'est pas le père de ton enfant. Ton gars couche avec ton enfant. Tu connais. Mais tu ne dis rien. Il y a des choses qui se passent dehors. Hein. Parfois, il y a les mères qui connaissent. Mais elles se voient la tête. Elles se voient les yeux. Elles n'osent jamais demander à son enfant que pourquoi tu as changé. Tu as ta fille de 12 ans ou bien de 9 ans à la maison. ...99% des Africains ont subi des abus sexuels ou des attouchements dans l'enfance. Parce qu'à un moment, c'est un truc qui est comme un jeu. Tu es là, tu dis, ah, on va venir jouer la maman. Ou bien tu as ta copine lesbienne là, comme ça, quand tu es petite. Ou bien tu abuses de ton petit cousin. Il a peut-être 8, 9 ans ou 10 ans. Toi, tu as 14 ans. Tu vois les choses à la télé, toi, voilà, tu viens faire ça sur ton petit cousin. C'est pour ça que les vacanciers, là, il faut beaucoup contrôler vos vacanciers. Contrôler vos vacanciers. J'ai eu une cliente une fois. Elle m'a dit que son cousin, qui avait peut-être 5 ans de plus qu'elle, il a abusé d'elle pendant des années. Au moins pendant 5 ans. C'est que quand elle arrivait en âge d'avoir un copain, il était farouchement jaloux de son copain. Dans le genre de haine qui pouvait me semblant te tuer là. Et c'est le genre de choses que quand tu grandis avec, c'est un traumatisme qui est caché. Certaines personnes ne se rappellent même pas qu'elles ont été abusées sexuellement dans l'enfance. Parce que quand ça s'est passé, c'est comme si ta mémoire a cliqué, tu as ouvert quelque part, tu as caché. Tu as enterré, tu as mis la terre au-dessus. Tu as mis le tapis au-dessus, tu as construit la maison dessus. Et chaque jour, cela, ça fait doum, doum, doum. Ouvrez. Tu es là, tu as construit ta maison. Hein. Tu as fait ton duplex ou tu as fait ton 5 niveaux là. Boum 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 boum. Ton mari demande que c'est quoi ça? Pourquoi tu veux pas qu'il te touche? Non chérie, tu sais, non, je me sentais juste pas bien. Il y en a parmi vous-même, quand vous avez commencé avec vos maris, c'était très difficile pour le mari parce que il y avait des moments où il pouvait pas te toucher. Il pouvait pas te toucher. Quand il te touche, tu sursautes. Pourquoi? Parce que dans ton enfance, on t'a touché contre ton gré tellement de fois. Ce qui fait que tu as pris la tendresse comme un abus. Donc quand quelqu'un te touche, tu dis, dans ton subconscient enregistré, que s'il te touche, ça veut dire qu'après il va abuser de toi. Et vous savez que la majorité des abus commencent toujours par la gentillesse. Oh, viens dans ma chambre. Viens m'aider.
Oh, je vais te donner les bonbons. Viens, non. Oui, maman a dit que je m'occupe de toi aujourd'hui. Oui, maman a dit que c'est moi qui vais te laver. C'est moi qui vais te donner laver aujourd'hui. Il a te laver, après il sort son truc comme ça, il te met dans ta bouche. Il sort, il met ça dans ta bouche. Te voilà. Tu as 5 ans, le tour de ton oncle est dans ta bouche. Quand il dit comme ça, c'est un entre vous. Les images vont revenir dans votre esprit. Dans le thème spirituel, c'est comme si c'était même des malédictions qui se passent de génération en génération. Ta mère a été abusée spirituellement, physiquement ou sexuellement. Ton père a abusé de quelqu'un, ou même lui-même, on a abusé de lui. Ils se mettent ensemble, ils t'accouchent. Tu vois là, tu commences à aller de maison en maison. Maison en maison. Tu tombes chez un oncle qui est très sévère. Pour qu'il soit gentil avec toi. Il abuse de toi. Du coup, tu comprends que la seule façon de te faire aimer, c'est de laisser qu'on abuse de toi. Tous les hommes avec lesquels tu te mets. Il y a encore ce truc-là en toi. Tu commences la relation avec l'homme, avec la prédisposition mentale qui ne t'aime pas, qu'il avait toi seulement pour le sexe. Tu as pris ça d'où? C'est dans ton enfance, ma chérie. Tu avais lui, vous faites seulement l'amour. Dès que vous finissez l'amour, tu t'isoles, tu peux rester dans ton coin. Tu ne parles plus. Tu ne parles plus. Hein? Tu restes dans ton coin. Il vient et dit que c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait quelque chose de mal. Je t'ai fait mal quand il faisait. Tu dis non, il n'y a rien. Il ne comprend pas. C'est pour ça qu'on doit me faire cours de psychologie à l'école. En terminale, au lieu de mettre la philosophie, on doit mettre la psychologie. Pour qu'on puisse se comprendre et comprendre l'autre. Donc voilà, tu t'isoles toujours. Il veut t'épouser, tu commences à dire non. Tu deviens une jalouse chronique. Puis je savais que tu étais avec moi seulement pour m'utiliser. Il te dit que je t'aime, mamie. Non. Tu vas me dire ça, après tu vas partir. Vraiment, je sais ça, la reine Marie, les maisons où vous avez les oncles. Faites très attention. L'oncle qui vous aide trop à amener les enfants à l'école là. Et parfois en Europe, tu n'as pas le choix. Tu le fais venir du pays, il est chez toi quelque temps. Tu veux profiter de ça, ok, il faut qu'il m'aide. Écoutez, quand l'affaire la prend quelqu'un. Ça va endommager toi. En fait, ne courez même pas le risque. N'essayez même pas. Ne voulez même pas. Oh, non, non, pardon, je ne veux même pas tester. Tu peux travailler, tu laisses ta fille avec ton gars. Ce n'est pas son père. Et parfois, tu peux avoir un enfant qui est très touchy. Tu connais? Tu vois, il y a des enfants qui sont très câlins. Tu vois, l'enfant, déjà, l'enfant qui suce le doigt là, ou bien qui suce la langue là. Tu vois? Quand l'enfant fait ça, il veut tout toucher quelque part. Il veut toucher le sein de sa mère. Il veut toucher... Vous vous reconnaissez, non? L'enfant est toujours là. Il veut...
Il cherche celui qui va toucher. Dans le genre d'enfant là qu'on va tout te calculer. Là, tu connais que ton enfant est comme ça. Pardon, prends tes dispositions. Faut pas qu'on traumatise ton enfant. Il sait qu'il y a même les adultes parmi vous, que vous sucez encore votre langue là. Mais qu'est-ce que tu fais? Quand on parle de développement personnel, c'est une quête personnelle de croissance. C'est comme si tu sortais pour chercher ta meilleure version. C'est comme si tu voulais sans cesse t'améliorer. C'est comme si tu voulais creuser à l'intérieur de toi pour trouver. Tu exposes les choses, là tu regardes, tu dis ouh. Donc il y avait ça en moi. On a tous traversé une étape en tant que jeune fille où on se disait, ah, peut-être qu'on est lesbienne. Fais face à ça. Fais face à la chose. Mets la chose devant toi, tu regardes. Pourquoi je me sens comme ça? Parce que c'est ça qui ferme votre voix. Tu n'arrives pas à t'exprimer. Voilà, j'ai fait le direct. Quelqu'un est apparu dans le direct, il commence à dire qu'on s'est moqué de lui. Si on vient checker la personne, tu vas voir que 100% des peurs de cette personne qui vient sur lui, c'est lui-même qui a attiré ça sur lui. Vous connaissez nos quartiers d'avant là, non? Quand tu passais, on te sifflait. Mamie! Ce qui fait que tu redoutais même marcher au quartier. Si tu remarques bien, il y a les jours souvent, même de ces, parce que moi je m'habite comme une jeune fille, tu me vois en haut, tu peux croire que j'ai 25 ans. Ce qui fait que de nos jours, il y a des moments où je passe souvent et je vois peut-être un groupe d'hommes. Tu vois ce moment de silence où tu passes, ils se taisent tous. Tu peux entendre ton pantalon se frotter, croup, 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 croup. Voilà. Si tu n'apprends pas à refaire le dialogue qui se trouve dans ta tête, ce n'est pas l'opinion de ces personnes devant qui je passe qui compte pour moi. Si me siffle, c'est vrai qu'elle est si belle. C'est vrai que je suis belle, oui. Parce qu'il y a eu un moment où on redoutait ça. On t'envoie même au quartier. Tu pouvais contourner, tu montes loin de l'autre côté là-bas parce que tu veux éviter. Il y avait toujours un coin au quartier. Chaque quartier avait ses gars. Il y avait toujours un coin où ils s'asseyent là à 16h. Ils font les commentaires. Et quand tu passes, on ne te drague pas, on ne te siffle pas, tu te sens rejeté. C'est fou, hein? On te siffle, tu te sens mal. On ne te siffle pas, tu te sens rejeté. Tu crois que tu n'es pas belle. Vous ne savez pas que ce sont les choses qui sont dans. C'est dans vous, hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à faire une vidéo pour faire ton direct. Tu te dis, ah, qu'est-ce qu'on va penser de mes cheveux? Hé, hey, qu'est-ce qu'on va penser? Regarde mon nez. Hé, hey, regarde, est-ce que je t'avais pas les bégayes? Ça vient de ton enfance. Oui, on t'envoie à la boutique, tu as peur de partir. Parfois, tu attends qu'un groupe de personnes sont en train de passer. C'est là que tu te mélanges dans le groupe, là, tu passes avec eux. Parce que qu'il y a beaucoup de personnes, ça va aller. Beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de vous bloquer. Et ça vient de votre enfance. Tu es très belle, mais tu as eu de la peine dans l'enfance à croire que tu étais belle. Beaucoup de peine. Moi, vous trouvez que je suis belle, non? Vous savez, j'ai un long chemin avec moi-même. Je reviens de loin avec moi-même. Parce que dans l'enfance, il y a même eu des situations où j'ai vécu chez des tantes, des oncles. Leurs enfants étaient médiocres à l'école. Vous ne pouvez pas faire comme Jocelyne. Moi, toujours, je ne sais pas pourquoi, ça a toujours été dans mon sang. De me lever tôt. 4h30, 5h, je suis debout. On ne peut pas faire comme Jocelyne. Regardez. Jocelyne est belle. Jocelyne est intelligente. Jocelyne se lève tôt.
Jocelyne est respectueuse. Jocelyne. Et après, ces mêmes cousins-là, ils se retournent contre moi. Ce qui fait que pour moi, à un moment, j'ai commencé à me dire que je ne suis pas belle. Oui. Quand on reste ensemble, peut-être ils font leur groupe ensemble, ils ont peut-être parlé leurs choses. Ou bien ils partent acheter le pain au chocolat. Il y avait des jours où ma grand-mère préparait le pilet, boum, ils ne veulent pas manger. Pas ta... Leur mère leur donnait l'argent. Ils partent en route d'acheter le pain combat avec le beurre chocolat. Aïe, pain beurre chocolat. Quand ils pensent qu'ils mangent même plus aujourd'hui. Ils reviennent, ils se cachent dans la chambre, ils mangent. Après, leur mère leur donne l'argent, ils ne me donnent pas. Je me sens rejetée, je me dis, mais attends. Si tu m'apprécies autant que tu dis que tu m'apprécies, pourquoi tu donnes les choses à tes enfants, tu ne me donnes pas? Tu ne peux pas dans le tuer avec la viande. Tu les appelles dans la chambre, vous mangez. Tu ne donnes pas ma part, pourquoi? Et vous ne savez peut-être pas, mais il y en a parmi vous que plus les années passent, plus vous devenez belle. Donc toi, ta beauté de... Quand tu avais 20 ans là, et ta beauté maintenant 40 ans, mof, tu es devenue belle jusqu'à le feu sort. Mais tu as toujours l'image de toi. Quand tu étais en 1995 là, c'est toujours ça. Parce que le gars que tu aimais t'avait insulté que tu as les gros yeux. Je ne suis pas en train de chercher les gens pour le direct. Je suis en thérapie. Ça, c'est une science. Ça, c'est un direct de thérapie. Ça, c'est la thérapie. Vous êtes en science de thérapie. Comme ça, ça ne va pas plaire aux gens. Les gens qui veulent qu'on leur dise les bonnes choses le matin, là. Et... un moment, il faut rentrer à la base. Deux fois dans ma vie, j'ai coupé mes cheveux au ras. Deux fois. Ça, c'est la deuxième fois. La première fois, je l'ai fait quand le corona a frappé le monde entier. C'était en mars 2020. J'avais même fait un direct sur cette page. Quand je coupais mes cheveux, j'étais en direct. On coupait juste. Et il y a eu des fois dans ma vie où j'ai eu besoin de me réinventer. Où j'ai eu besoin de sortir de qui je sais que je suis. Où je crois que je suis. Où j'ai eu besoin de sortir de l'identité que les gens m'ont donnée. Après, ils m'ont dit, mais pourquoi tu ne fais pas comme ça? Pourquoi tu n'es pas comme ça? Hein? Pourquoi? 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 Sans le savoir, quand l'esprit veut te montrer quelque chose de nouveau, on se retrouve en train de vouloir rentrer dans l'ancien. Que j'ai, ouais, le coq, c'est d'être malade le matin. Premièrement, il chante à 7 heures. Ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Le coq chante à 5h30. Et quand il chante, c'est comme s'il y a le flash dans sa gauche qui doit sortir. Bon, ça, c'était juste la pause rigolade. Voilà, vous l'entendez. Je n'ai pas fait mon direct aux gens qui sont aux États-Unis. Donc, quand l'esprit vient et te montre un nouveau business, un pays dans lequel l'esprit veut que tu partes, ou même l'esprit te dit quitte le pays là, tu es parti à Washington, l'esprit te dit quitte Washington. Rentre à quoi? À quoi? Il te dit rentre à quoi, Abadjoun? Hey, le coq, c'est là, je vais le trouver. Un matin, il va descendre ici en bas, il va chercher là où il se trouve.
encore au commencement. Comme là. Tu vois, non? Regardez. Vos enfants. Certains d'entre vous, vos enfants vont vous amener à Cannes un jour. Alors, ton enfant sera devenu star. Il va passer dans les films avec les je sais pas trop quoi, les Viola Davis. Quand j'ai compris que le blanc n'avait pas d'histoire, ni de racines, ni de culture, et j'ai écouté, tout le monde aura grandi dans la pauvreté extrême.